batteries. Je me bats encore avec mes batteries ce matin. Je ne sais pas ce qu'elles ont. J'en ai essayé les quatre là. Il y en a une qui a voulu bien marcher. Les trois autres, elles ne veulent pas. Je ne sais pas. Il faut que j'étudie le problème parce que là, il y a un petit souci. Quand j'allume ma caméra, elle ne veut pas s'allumer. J'ai un écran noir. Là, j'ai soufflé sur tout. J'ai soufflé sur la. Sur le. Comment? Sur les petits pics là. J'ai soufflé dans le compartiment où je mets ma batterie et c'est reparti. Alors peut-être qu'il y avait un petit grain de poussière, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas grave, du moment que ça marche, c'est le principal. Donc là, on est le 7 décembre, je vais faire l'ouverture du calendrier de l'Avent, hein, comme tous les jours. Bon, ça change pas beaucoup, c'est toujours pareil, mais bon, je vous le fais quand même. Hier j'ai rappelé ma coiffeuse, je vous avais dit que je l'attendais hier matin et hier soir je l'ai rappelé et elle me dit mais madame Gueffi on avait rendez-vous lundi prochain le 13. J'ai dit ben moi j'ai marqué le 6. Elle me dit mais non, après on s'était dit parce qu'il y a deux mois qu'elle est venue, elle me dit on a dit ben non le 13 en fin de matinée, comme ça si je vais chez, elle m'avait dit si je vais chez ma fille comme ça, ça sera mieux pour les fêtes de Noël. Oh, je dis bon, bah peut-être, alors ça se peut, bah, je dis c'est pas grave, venez lundi prochain. Donc lundi prochain, j'ai ma coiffeuse qui vient me recouper les cheveux. Et j'en ai vraiment besoin là. Voilà. Fin mot de l'histoire. Non, mais ça m'inquiétait parce que je quand même, c'est pas normal, d'habitude elle est toujours à l'heure et tout. Elle me dit non, après on avait marqué le 6, mais après on a changé le 13. Et moi j'ai oublié de renoter sur mon petit calepin. J'avais marqué le 6 et j'ai laissé le 6. Mais ça, c'est tout moi, hein, c'est normal. Voilà. Donc, en ce moment, je suis un petit peu en panne de créa, mais ça va revenir. Hein. J'ai des petites idées là qui reviennent tout doucement, donc je vais voir ce que je vais pouvoir vous faire. Là, je suis en train de vous mettre des petites vidéos que j'avais tournées l'année dernière. Elles ne sont pas terribles, mais enfin bon, je vous les mets quand même. Quoique ce que je fais c'est pas terrible non plus hein, mais ce que j'avais fait l'année dernière, je sais que l'étoile que j'ai postée ce matin elle est pas terrible, mais enfin bon je l'ai mise quand même, voilà. Ce matin le 7 hein, pas le 8 hein, parce que là vous allez avoir la vidéo le 8. Donc ouais, l'étoile que j'ai mis le 7 là, bon, elle est pas terrible mais j'ai mis quand même, j'ai du tant pis. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont bien, des choses moins bien, des choses enfantines, des choses pas enfantines. Enfin bon, il y a un peu de tout. Bon, on va arrêter de blablater et je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent de Lindor. Voilà, donc, c'est quoi ça? Donc le 7, hier je l'avais vu, j'avais dit tiens le 7 il est là, mais où? Là il y a le 8, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7, il est là. Deux petites boules. Alors, je vais essayer de ne pas les faire tomber comme l'autre jour. Donc, vous voyez, c'est un jour, c'est un petit cœur. Un jour, c'est une boule. Et un autre jour, c'est deux petites boules comme ça. Voilà. C'est super. Voilà. Hop. Ça me fait du petit chocolat. Mais je mets ça dans une. Je mets ça dans un petit saladier. Là, tous mes petits bonbons, mes petits chocolats. Parce que j'en mangeais beaucoup, mais là j'essaye de faire. J'en mange encore, hein. Je dis pas que j'en mange plus, mais j'en mange encore. On va ouvrir le calendrier de l'Avent de Bonne Maman. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais comment ça se fait qu'il y en ait 1, 2, 3. Non, 1. 2, 3, ouais, voilà, 4, 5, 6, et le 7, je viens de le voir, il est là. Alors, une petite confiture. Alors, pêche à la fleur de jasmin. Pêche à la fleur de jasmin. Alors, je vais encore avoir du mal à l'attraper, ça c'est sûr, mais on va se débrouiller. Voilà, je commence à prendre le coup. Pêche à la fleur de jasmin. Voilà. Hop, pour mon petit déjeuner demain matin.
ou après-demain matin, parce que j'en ai deux d'avance, là, j'ai pas pris ce matin. Donc, ensuite, alors, le calendrier de la Dégusta Box, c'est des petits macarons ou cookies. Des petites choses comme ça. Alors, c'est capoté. Bon, alors, j'ai été la chercher forcément hein, dans ma boîte. Donc, ça se présente comme ça fait comme une petite tasse. D'ailleurs, c'est pas mal ça. Je pourrais peut-être le refaire en tuto, ça. Ah ouais, tiens, je vais le défaire et je vais le refaire en tuto, ça, cette petite chose. Si ça vous intéresse, des fois. Regardez, il y a la petite anse. Hein? Ah, je vais regarder ça. Je vais regarder ça aujourd'hui. Comme je sais, je suis un petit peu en panne. Je vais essayer de la démonter sans l'abîmer. Et je vais essayer de vous la reproduire. Oui, je vais essayer de faire ça. Voilà. Ça peut vous donner des idées. Il y a une petite fermeture là derrière. Que je vais retirer le collant. Je vais essayer de ne pas l'abîmer pour avoir le modèle. Alors, si ça se trouve, Coco, elle va avoir la même idée. Parce que comme elle va avoir la même chose que moi. Elle va dire, oh, bah, attendez, moi je vais le refaire. Ça se peut bien. Alors, j'aurais sorti quelque chose pour défaire le collant, ça aurait été mieux. Mais on va essayer, hein. Je vais voir comment c'est fait. Et puis, alors, hop. Ça doit pas être bien, bien compliqué. Je vais essayer de pas trop défaire. Alors, ça va venir avec, forcément. Enfin, ça, je me débrouillerai toujours pour rattraper. Hop. Hop. Voilà. Ça, je vais le coller là pour l'instant. Et. Alors, attendez, je vais tout démantibuler là maintenant. Alors, c'est un petit paquet comme ça. Ça représente des petites choses comme ça. Et je vais essayer de démantibuler ça. Comment c'est fait cette chose? Bon, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer hors caméra de la défaire, de voir comment. Oh, il y a plein de. Ouais, ben c'est. Vous voyez, je vous montre l'intérieur, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de la mettre à plat et le refaire. Ça doit pouvoir. Je vais regarder, je vais chercher comment c'est fait. Ah oui, je suis curieuse, mais il faut que j'arrive à trouver comment elle est faite, cette petite. Oui, cette petite boîte, elle m'intéresse. Donc, là, il y a une petite languette, j'ai vu. Oui, ça ne devrait pas être mal, même si ce n'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine, mais je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de refaire ça avec du papier de chez Action ou un autre papier, je vais voir. Et c'est pas mal ça pour offrir des chocolats. Ouais. Je vais étudier le problème. Voilà. Bah oui, hein, écoutez, mais je suis sûre, mais on verra. Coco, sa vidéo, elle va paraître aussi en même temps que moi. Et je suis à peu près sûre qu'elle va dire comme moi. Elle va dire, oh, mais je vais essayer de la faire, cette petite boîte. Oui. Si on la fait toutes les deux, on la fera toutes les deux. Hein, puis voilà. Donc, eh ben, sur ce, je vais vous laisser. Ben oui, j'ai rien d'autre à vous raconter. Hein. Oui, je vais regarder comment ça se présentait quand même, ces petites choses-là. Là. Mais j'ai pas pris mon ciseau. On va voir si je peux en attraper un. Je vais en attraper un. Alors. Alors, ça se présente. Oh, bah. Oui, bah, c'est un genre de truffe, hein. Regardez. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ils ont marqué macaron ou cookie. Bah, ça représente pas des macarons ou des cookies, ça. Ça représente plutôt des petites truffes. Bon, je goûte pas ça maintenant parce que les 10h30, je vais pas.
sur ce, bah écoutez, j'étudie la petite boîte là, et si j'arrive à la faire, eh ben je la fais et je vous la publierai. Je vous donnerai les mesures et tout. Ouais, je vais étudier ça. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci d'avoir regardé. C'est que j'ai mis ma télécommande, elle est là. Voilà, on va pas perdre la page. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, bisous.